toujours eu à cœur que mon fils ait des vacances épanouissantes. J'ai un petit garçon de 4 ans et il y a un club pour les enfants qui est génial avec des animateurs, animatrices. Ayant découvert ça pour moi-même et pour mon fils, qui lui aussi s'est éclaté. Tout le monde a vraiment trouvé son bonheur, tout le monde a trouvé des activités qui lui ressemblaient, dont il avait envie. Il a adoré le cirque, le poney aussi. Le grand, c'est de toute façon tout à fait dans ses cordes parce qu'il aime le cirque, il aime la musique, il aime jouer en groupe, il aime le théâtre, il aime la danse. Il aime, mon petit garçon, a été ravi de faire des tas d'activités. Des activités que, honnêtement, on ne trouve pas dans d'autres clubs de vacances. Mon fils, le petit, j'aurais jamais imaginé par exemple qu'il puisse faire du tricot. Il a fait du tricot, il a trouvé ça super de faire du tricot. Il s'est lancé dans la flûte traversière. Et jeu d'échecs. J'ai fait tir à l'arc, c'est vraiment super, le prof il est super gentil. Ce que je trouve vraiment hyper intéressant quand on a des enfants, c'est de pouvoir leur faire découvrir différentes activités sur une semaine et des activités auxquelles ils n'auraient pas accès pendant l'année. Fait cirque, c'est vraiment bien. Il y a un spectacle, et ça c'est vraiment super. J'aurais jamais eu l'idée de lui faire du badminton. C'est un vrai bonheur de savoir qu'il est confié à des personnes qui prennent vraiment soin de lui. Je trouve que vraiment ça révèle des choses. Mon fils m'est venu me voir en me disant « Maman, maman, je veux rester ici toute la vie. » Et je l'ai trouvé vraiment enjoué, plein de joie, drôle. Et vraiment en sentant aussi qu'il était dans ce groupe, j'ai senti au fur et à mesure, dans toute la semaine, combien il avait pu s'amuser.